Bienvenue dans votre émission, le JT Orvalet. Au sommaire de ce journal, comment fonctionne la mairie? Comment Orval protège l'environnement? Quelle est l'histoire de la crypte? Dans un premier temps, nous avons rencontré le maire pour qu'il nous explique le fonctionnement de sa commune. Nous sommes ici dans l'ancienne école. C'est une construction de 1800 et quelque chose. C'est une très très belle bâtisse en pierre de Montmartin. J'ai été élu maire en 2001, le 16 mars 2001 exactement. Les élections prochaines auront lieu en mars 2014. Après, c'est le résultat des élections qui décidera. Je ne sais pas si on décide ou pas d'être maire. Une chose est sûre, c'est que depuis très très longtemps, je m'investis dans la commune. J'étais conseiller municipal. J'ai constitué une liste de 15 personnes. Et nous nous sommes présentés aux élections et nous avons été élus. Après quoi, le conseil municipal m'a élu maire. C'est une satisfaction d'avoir la confiance, déjà d'une part, du conseil municipal. Et puis par le fait de la population, puisque j'avais été élu conseiller municipal. Donc je dirige le conseil municipal pour prendre toutes les décisions pour la commune. Je reçois énormément d'habitants, de concitoyens qui ont des renseignements à demander ou des interrogations. Je suis responsable du personnel communal au nombre de 8 personnes. Ce que fait un maire, c'est être au service de tous ses habitants et faire évoluer la commune pour le bien-être de ses habitants. Notre commune qui comprend 884 habitants, c'est-à-dire plus de 500, nous sommes 15 conseillers municipaux. Et à Orval, il y a 8 femmes et 7 hommes. Chaque mois, nous avons une réunion de conseil municipal. Il y a un ordre du jour, donc des sujets à débattre. On discute, on prend des délibérations, on prend des décisions, ou l'on reporte à une autre séance les décisions si ça manque d'informations ou si c'est un sujet trop important pour aller et on ne veut pas aller trop vite. Ce que nous avons commencé à faire, faire un plan local d'urbanisme, c'est-à-dire organiser le développement des structures de notre commune. Nous allons continuer de faire ce que nous faisons déjà depuis un bon moment. Améliorer Orval, c'est développer la commune et de plus en plus, c'est la développer en respectant la nature, en respectant l'environnement. Comme vous l'avez compris, le maire est soucieux de l'environnement. Joël Doyer nous a expliqué ses actions. Monsieur Gourdet nous a montré le fonctionnement de la station d'épuration et Jacqueline Perrier nous a raconté comment on traitait les déchets autrefois. Il faut absolument arrêter de mettre ces déchets un peu n'importe où comme il se faisait les années passées. C'est ce qu'on appelle les points de collecte que l'on a mis en place. Il y en a 3 sur la commune. Donc un point important, 60% de ce que l'on met dans ces points de collecte sont réutilisés. Donc un composteur, c'est un récipient ou un contenant dans lequel on va faire du compost. L'intérêt, c'est d'avoir un endroit où on va
donc réutiliser ou se débarrasser de ces déchets périssables. C'est distribué au niveau de la communauté de communes. Alors, ils sont à disposition de tous les habitants de la commune. C'est gratuit. Nous avons distribué jusqu'à présent un peu plus de 70 composteurs dans la commune. Un composteur tel que vous avez dans l'école, 80 litres, il va être plein à la fin de l'année. Le résultat du compostage, c'est tout simplement un engrais, un fertilisant pour votre jardin ou votre pelouse. C'était construit en 2011 et 2012. Ça sert à traiter les eaux usées de tous les habitants. Quoi. Les eaux usées arrivent par réseau. Elles se déversent dans le premier bassin. Les parties épaisses se déposent au fond. Le trop-plein repart dans le deuxième bassin et ainsi de suite jusqu'au troisième. L'eau claire finit par retourner dans les ruisseaux. Ça marche en continu. C'est que nos sols ne sont pas drainants. C'est-à-dire que l'assainissement chacun dans votre maison n'est pas diffusé dans le sol normalement et décomposé dans le sol normalement parce que nous avons des sols très très argileux. On l'a placé ici parce que nous sommes à une altitude basse. C'est-à-dire que cela permet le maximum de canalisation arrive naturellement ici sans pompe. Donc il n'y a pas de frais d'entretien ni de coûts pour acheminer toutes les eaux d'un maximum de maisons vers la station. Eh bien, on allait porter à une décharge sur la route du pont de la Roque. Tout allait là. Hein. On allait avec le tracteur et puis on vidait les déchets comme ça. Et puis vous savez, il y avait le feu de cheminée. Oh ben oui, ça a évolué tout d'un coup, mais beaucoup trop vite. Beaucoup trop maintenant, parce que c'est plutôt du gaspillage qui se passe après ce qu'on a vu. Hein. Parce que il n'y avait pas de yaourt, il n'y avait pas de sous vide, il n'y avait rien du tout. On n'avait pas tout ça, hein. On avait juste nos légumes du jardin. C'est exagéré. Ça n'apprend pas les gens à économiser. Et maintenant, un petit tour du côté du patrimoine d'Orval avec M. Sausset, professeur des écoles retraitées et passionné d'histoire, que nous avons interviewé au sujet de la crypte. Nous avons choisi ce sujet car nous avions envie de découvrir cet endroit mystérieux et de connaître son histoire. Alors, cette crypte, d'après les documents qui existent, disent qu'elle a été bâtie au XIe siècle. Elle n'a pas d'histoire particulière pour elle, mais elle est liée à l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que je pense qu'elle a évolué en même temps que l'Église a évolué. Il y a cette pièce où nous sommes actuellement, il y a la pièce qui est à ma gauche, au-dessus il y a l'église. Il n'y a vraiment que des pierres de valeur, dont l'ancien baptistère, qui date aussi du XIe siècle. Les deux escaliers-là montent à l'église. Que les gens descendaient, passaient devant les reliques et remontaient, et les reliques devaient être posées. À cet endroit-là, oui, il y a les traces d'un autel. Parce qu'on pense qu'à l'origine, il n'y avait pas de porte ici. Donc le seul accès pour la crypte, c'était de descendre par ces escaliers, ou par l'escalier qui est dans la pièce d'à côté. Alors on ne voit plus les traces de l'escalier dans l'église. Il y a encore au moment où il y a eu les fouilles, on voyait les sorties des escaliers au niveau des piliers. Donc il y a plusieurs historiens, des archéologues qui ont fait des fouilles dans cette pièce-là, essentiellement dans celle-ci. Et ils ont trouvé des ossements humains. Et ils pensent que c'est un prêtre parce qu'il y avait une crosse et puis des traces de mitre, je crois. Il faut savoir que des cryptes comme celle-ci, en Basse-Normandie, il n'y en a que quatre. Il y en a une à Bayeux. Il y en a une à la Trinité à Caen, une à l'église Saint-Marcouf, c'est dans le nord de la Manche, et à Orval. Dans l'ancien presbytère, il y avait des archives qui le précisaient. Donc il y a eu une classe ici, juste avant la Révolution. Mais ça a servi aussi de salle de catéchisme au début du XXe siècle, donc c'est pas très très vieux. On pense qu'il y avait déjà une église ici au VIe siècle.
avant que la crypte soit construite. On pense que la crypte a été montée sur les fondations de l'église du 6e siècle, avant de monter l'église au-dessus, quoi. Je connaissais le prêtre qui était là il y a une vingtaine d'années, il ne parlait pas de légende non plus, donc on n'en connaît pas de particulière. Mais il y a peut-être moyen d'en inventer une. Hein. Merci d'avoir suivi ce journal télévisé. Au revoir, à très bientôt.